Quels sont tes sentiments d'après-match? Partagé, parce qu'avec l'équipe qu'on avait aujourd'hui, je pense qu'on a fait ce qu'on pouvait. Après, ce qui m'embête, c'est qu'on prend ce but sur un coup de pied arrêté au début, alors qu'on était plutôt bien en place et dans le respect des consignes. Et puis ce troisième but, là, à la fin, où c'est moi qui me trouve. Et donc voilà, c'est plus ça, parce que pour récompenser les efforts des gars, j'aurais aimé que, si on l'a fait par un petit peu, qu'on le fasse douter, quoi. J'ai trouvé que malgré la différence de niveau, vous êtes bien défendu quand même. Hein. C'était l'objectif, déjà bien défendre. Et les gars ont fait beaucoup d'efforts. Il faut savoir que la grosse partie joue en D3. Sinon là, c'était l'équipe 3. Quoi. Donc les gars ont fait ce qu'il fallait, on avait pour consigne de bien défendre et on l'a bien fait. Qu'est-ce que tu retiendras de positif du match? Positif, c'est l'état d'esprit. Choses qui peuvent des fois nous faire nous défaut en championnat. Là on l'a vu, beaucoup de rigueur, beaucoup d'efforts pour le copain. Et puis malgré ça, on a aussi pris plaisir en faisant ça. Donc c'est ça que je retiendrai, et puis surtout que ça nous serve nous pour la suite. Et puis je pense qu'on a aussi plutôt bien représenté le club. Est-ce que tu étais surpris du niveau assez faible de votre adversaire Vaillantais? Surpris, non. On les connaît plutôt bien, on sait que c'est des bons joueurs de ballon globalement, mais qui ne sont pas forcément toujours... Si on les bouscule, si on les dérange, ça peut les gêner. Justement, est-ce que tu n'as pas un regret de ne pas avoir marqué un peu plus vite pour les faire un peu plus douter? Non, vraiment le regret, c'est qu'on prenne ces buts comme ça et que ça vienne un peu gâcher les efforts des gars. Il faut être lucide. Je pense que l'écart de niveau était important, donc faut rester lucide. Maintenant, place au championnat. Quels seront les objectifs de l'équipe 3 de Segré cette saison? L'objectif, c'est de faire le mieux possible. On essaie de jouer la montée, mais étant la 3 du club, forcément, l'équipe change tous les week-ends. Donc on est aussi tributaire de ce qui se passe au-dessus. Mais c'est surtout jouer la montée, parce que pour qu'il y ait quelque chose, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Donc c'est vraiment essayer d'être compétitif. Puis jouer la montée si on peut.